Ils ont été pour beaucoup dans le suivi des populations pendant la crise post-électorale, partagés à apporter de l'aide aux blessés et à contribuer à assainir la ville d'Abidjan en soutenant les pompes funèbres. Certains ont même payé le prix fort, leur vie, malgré des pertes en leur sein. Ces volontaires de la Société nationale de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire ne se découragent pas. À l'occasion de la 7e Assemblée générale qui s'est tenue à Bengourou, ils ont pris l'engagement de remplir avec responsabilité et abnégation leur mission, celle de voler au secours des populations en difficulté. L'unité, c'est l'un de nos principes fondamentaux les plus efficaces, car lorsqu'on est unis, on entreprend de très grandes choses. Unis, nous pouvons soulever des montagnes. Donc, chers volontaires, soyons unis. Dans le but de se rapprocher davantage des populations afin d'améliorer leurs conditions de vie, des comités locaux et régionaux de la Croix-Rouge seront ouverts dans les différentes villes de la Côte d'Ivoire. Cette décision des responsables de la Croix-Rouge nationale est saluée par le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ils ont promis apporter le soutien nécessaire afin que cette initiative profite aux populations.